Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission parlementaire Une Tranouille au sommaire. Une interview avec la présidente, le dossier Moneyval, esprit des lois, billets d'opinion et actualité. Madame la Présidente, bonjour. Bonjour, Monsieur Bonilla, bienvenue au Conseil national. Merci beaucoup. Ce jeudi se déroulera la séance publique législative. Quel est votre état d'esprit, tout simplement, au moment d'aborder cette séance? Tout d'abord, un état d'esprit constructif. Mmh. Nous sommes au travail, nous avons reçu le premier projet de loi sur le blanchiment dans le cadre de Moneyval, et il y a à peu près 3 semaines. Nous avons commencé à l'étudier. Il ne sera pas prêt, je vous l'avoue, pour cette séance publique du 15 juin, puisqu'il comporte 133 articles, et ce sont des articles très techniques, donc je préfère le repousser à la séance publique suivante, justement. Mais par contre, nous sommes au travail, nous sommes déterminés, et nous allons voter 2 propositions de loi, 1 projet de loi très important pour Monaco. Alors, vous avez parlé là de Moneyval. Pour en savoir plus sur ces questions, nous avons interrogé Thomas Brézeau, le président de la commission de législation. Alors, Moneyval est une émanation du Conseil de l'Europe. C'est un groupe d'experts qui est chargé d'évaluer la législation des différents États du Conseil de l'Europe pour vérifier leur compatibilité avec les normes européennes en matière de lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la corruption. Au mois de novembre 2022, le Conseil national avait adopté 4 lois que le gouvernement avait adressé, 4 projets de loi que le gouvernement avait adressés au Conseil national et qui permettaient d'une part de mettre en conformité les dispositions législatives en matière notamment de procédure pénale avec les standards européens en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et également de permettre à la principauté de Monaco de répondre à ses engagements internationaux, notamment en matière de coopération internationale ou de saisie et de confiscation des avoirs du crime. Depuis l'adoption de ces 4 textes de loi, le rapport d'évaluation Moneyval a été rendu public au mois de décembre 2022 et malheureusement place la principauté de Monaco sur la liste des pays sous surveillance pour les mois à venir. C'est-à-dire que la principauté de Monaco devra répondre à un certain nombre de recommandations avant le mois de mars ou avril 2024. Et à l'issue de cette évaluation qui sera non plus effectuée par Moneyval, mais à ce moment-là par le GAFI, le groupe d'action financière, qui est un organisme au niveau mondial, permettra l'établissement de la principauté de Monaco éventuellement sur une liste grise, que nous ne souhaitons pas, et ce qui entraîne de nouveaux travaux particulièrement importants actuellement en cours au sein du Conseil national, afin justement d'éviter à tout prix que la principauté de Monaco puisse se retrouver sur cette liste grise. À cette fin, le gouvernement nous a annoncé en début d'année le dépôt de 4 projets de loi sur le bureau du Conseil national. À ce jour, seuls 2 projets de loi ont été déposés. Un premier projet qui est sur le point d'être voté au cours de la présente session de printemps 2023. Mais un deuxième projet a été déposé la veille du Grand Prix et comporte à nouveau 130 articles et qui devra être étudié dans les meilleurs délais. Nous espérons pouvoir le voter d'ici cet été. Aujourd'hui, c'est un travail colossal. On parle de 2 textes de loi qui comportent plus de 130 articles. C'est plus d'une centaine de pages à étudier, des textes qui sont particulièrement techniques, qui concernent les procédures anti-blanchiment, qui concernent également les procédures d'inscription des sociétés, qui concernent les registres des bénéficiaires effectifs ou le fichier des comptes bancaires, sur lesquels il y a des garanties particulièrement importantes à apporter pour permettre de conserver une certaine attractivité en principauté de Monaco. Mais ces enjeux importants doivent être aussi conciliés avec les recommandations de Moneyval qui ont été formulées dans le cadre du rapport et qui permettront à Monaco d'éviter d'être placé sur la liste grise. Donc aujourd'hui, c'est un travail particulièrement technique et malheureusement, compte tenu de leur transmission tardive, 2 de ces projets de loi ne pourront être votés qu'en fin d'année 2023. Or, on sait, dans le cadre de l'évaluation Moneyval, qu'au-delà de l'aspect législatif, il y a également l'effectivité qui est évaluée, donc la mise en œuvre de ces textes-là. Et il faudra donc que non seulement ces textes soient votés, mais qu'ils puissent être entrés en vigueur et également appliqués, afin justement de pouvoir éviter d'être placés sur cette liste grise. Et malheureusement, avec les délais qui sont les nôtres aujourd'hui et les contraintes
humaine et technique que nous avons, je pense qu'on aura des difficultés justement à pouvoir mettre en œuvre ces textes-là, si tant est qu'ils soient votés dans des délais particulièrement restreints. Quoi qu'il en soit, les élus agissent de manière responsable et feront tout ce qui est en leur pouvoir pour voter ces textes-là dans les meilleurs délais, afin que, effectivement, la principauté de Monaco puisse respecter ses engagements et qu'on puisse permettre au gouvernement de mettre en œuvre ces textes-là et donc de répondre aux exigences qui leur sont demandées. Malheureusement, on attend des textes et des réponses sur les demandes qui sont formulées au gouvernement dans des délais qui ne sont pas toujours respectés. Bien évidemment, les textes sur lesquels nous travaillons nous prennent énormément de temps. Nous n'oublions pas non plus les engagements de cette liste d'Union nationale pour la principauté. Et nous avons effectivement d'autres objectifs à remplir. Il n'en demeure pas moins que nous travaillons également sur d'autres textes, et notamment pour ce qui me concerne, deux propositions de loi qui seront prochainement déposées, et je l'espère, dans le courant de l'été, sur le bureau du Conseil national également. Ils pourront être votés dans les meilleurs délais, dans l'intérêt de la principauté et conformément aux engagements que nous avons pris lors de la dernière campagne. On l'a entendu, Thomas Brézeau réaffirme l'impossibilité d'avancer trop vite. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Cela m'inspire une vraie prudence. Mmh. Thomas Brézeau a raison. Il étudie le premier projet de loi sur le blanchiment avec l'ensemble des élus qui participent à la commission, mais également les équipes permanentes qui, je dois dire, font un travail formidable, et je tenais à leur rendre hommage, non seulement aux élus, mais également aux permanents du Conseil national. C'est un texte difficile, il comporte 133 articles, il faut faire attention, il y a beaucoup de techniques et surtout beaucoup de conséquences pour le pays, non seulement la population, les monégasques, mais aussi nos résidents. Donc moi, je veux prendre le temps nécessaire pour l'étudier, je ne voterai pas par l'Assemblée n'importe quoi. Alors, on parle de monévale, ça nous amène directement à l'Europe. Où en est-on ? L'Europe, nous n'avons pas changé de position depuis 2018. Nous voulons les quatre lignes rouges que nous appelons. Nous l'avons toujours dit, réaffirmé. Nous l'avons souvent rappelé au gouvernement. Et vraiment, monévale avec l'Union européenne en ce moment, ça tombe vraiment mal par rapport à tous les dossiers que nous devons étudier dans cette période fort difficile. Que pensez-vous de l'initiative récente d'Objectif Monaco, hein, qui fait beaucoup parler en ville? C'est un problème pour l'avancée du dossier au Conseil national ou pas du tout? Oh, pas du tout, ce n'est pas du tout un problème. Nous ne sommes absolument pas sur la même ligne de travail. Nous apprécions ce qu'ils font. D'ailleurs, ils coordonnent un certain nombre de professionnels de la place au niveau des professions réglementées. Nous en sommes ravis d'ailleurs. Et je dois dire que nous sommes sur la même ligne. Mais nous ne sommes pas du tout sur les mêmes positionnements. Alors revenons sur la séance publique de ce jeudi, donc pas de texte sur Monéval, mais cela reste une séance importante. Parlez-nous des textes qui seront présentés. Alors trois textes importants, deux propositions de loi dont les rapporteurs seront Corinne Bartani et Roland Mouflard, qui proposeront de nouvelles formes de société, très attendues dans le milieu économique certainement, et un autre texte sur le don de congés. Béatrice Fresco-Roffo en sera le rapporteur. C'est intéressant, je vous rappelle que nous avons longuement parlé avec le gouvernement pour finaliser ce texte. Nous y arrivons, je suis ravie. Cela va donner aux familles de nombreuses possibilités dans des moments parfois extrêmement difficiles. Et c'est un texte qui est très attendu. Madame la Présidente, je vous remercie. Merci Monsieur Bonilla, au revoir. Au revoir. Je vous propose d'écouter sur les deux premiers textes Franck Julien, président de la Commission des finances et de l'économie nationale, et sur le don de congé dont vous venez de parler à l'instant, Béatrice Fresco-Rolfo. Nous avons tenu à déposer deux propositions de loi, car nous avions fait le constat que le droit des sociétés à Monaco n'était pas forcément très moderne. La dernière modification substantielle, elle avait eu lieu en 2006 avec le rajout des sociétés à responsabilité limitée. Nous avons voulu proposer au gouvernement d'introduire deux dispositifs supplémentaires, à savoir la société unipersonnelle à responsabilité limitée et les sociétés d'innovation monégasque par action. Sachant que la société unipersonnelle à responsabilité limitée a pour objectif de permettre à un individu de faire sa propre société,
et de ne pas avoir l'obligation, tel qu'un travailleur indépendant, de supporter lui-même la totalité des contraintes, des charges qu'il pourrait avoir sur cette société. Donc, comme son nom l'indique, la responsabilité est limitée au montant du capital social de la structure. Et par ailleurs, pour les sociétés d'innovation monégasque par action, on a souhaité favoriser la possibilité pour les investisseurs de rentrer dans des sociétés. Donc on a mis en œuvre, on a proposé de mettre en œuvre des dispositifs nouveaux, notamment avec des droits de vote adaptés, que ce soit pour le fondateur ou pour les investisseurs, et d'autres dispositions qui permettront de favoriser ce genre de société à Monaco, tout en n'ayant pas à supporter d'emblée un capital de 150 000 euros, comme c'est le cas pour les SAM. Nous sommes là pour parler du projet de loi sur le don de congé. Alors, don de congé, qu'est-ce que c'est ? C'est la possibilité pour un salarié de donner ses congés non pris à un autre salarié qui en aurait besoin pour venir en aide à un proche. Évidemment, ce don de jours de congé sera encadré pour ne pas empiéter sur le repos annuel nécessaire à un salarié. Alors, j'en parlais tout à l'heure, c'est pour venir en aide à un proche, un enfant qui est en souffrance. C'est l'enfant dont on a l'autorité parentale ou dont on a la charge à la maison. Le don de congé, ce sera aussi la possibilité de donner ses jours, de venir en aide à un salarié qui lui-même va apporter son soutien à un proche qui souffre d'un handicap ou de quelque chose d'assez grave, évidemment. Et la notion de proche, elle, sera définie par une ordonnance souveraine, mais nous faisons confiance au gouvernement pour aller au plus large possible afin de couvrir toutes les possibilités, que ce soit dans des couples hétérosexuels ou dans des couples homosexuels. La chose qui est importante et que le Conseil national et les membres de la Commission ont voulu apporter à ce texte, c'est la possibilité de donner un don de congé, de faire un don de congé en cas de décès d'un enfant. Les membres de la Commission ont aussi voulu élargir la portée de ce texte pour s'adresser aux fonctionnaires de l'État, mais aussi aux fonctionnaires de la commune. Et c'est une belle avancée aussi qui fait suite à tous les textes de loi que nous avons votés sur le statut des fonctionnaires et des fonctionnaires de la commune. C'est un texte qui revêt une belle dimension sociale, c'est un texte plein d'humanité que je suis heureuse de porter pour les monégasques, les résidents et tous les salariés, que ce soit du privé ou du public. Place au billet d'opinion des élus avec aujourd'hui Christophe Bricot, Karen Ali Prandi, Corinne Bertani et Nicolas Croisi. Parlons du budget, et en particulier de la clôture budgétaire. À ce jour, la clôture budgétaire fait l'objet d'un échange avec le gouvernement en séance privée. Cette année, pour la clôture 2022, le budget de l'État va présenter un excédent d'environ 32 millions d'euros, ce qui est un excédent important. Pour autant, et comme la précédente mandature l'avait déjà constaté à l'occasion du vote de la résolution numéro 34, un certain nombre de pratiques opérées par le gouvernement ne sont pas encadrées par notre loi de budget. Dès lors, nous avons proposé au gouvernement d'ouvrir un dialogue afin de pouvoir moderniser nos règles, de lui permettre d'avoir les flexibilités dont il a besoin, tout en préservant les prérogatives du Conseil national. À l'occasion de notre séance de clôture, le gouvernement s'est dit favorable à l'ouverture d'un dialogue à ce sujet. J'attends donc avec impatience que nous commencions nos travaux et que nous disposions enfin d'une loi de budget qui corresponde à la réalité des pratiques. Je pense qu'il faut avoir une responsabilité sociétale. Ce qu'on vit au quotidien n'est pas normal. Aujourd'hui, il faut avoir certains chiffres en tête. Nous sommes 39 000 habitants, nous accueillons 60 500 pendulaires tous les jours. Nous créons plus ou moins 1 200 emplois par an et comptabilisons entre 80 000 et 105 000 entrées et sorties de véhicules d'engins motorisés par jour. Je pense qu'il est urgent aujourd'hui d'adopter les solutions en adéquation avec les besoins des usagers. Si nous souhaitons être attractifs et retrouver une qualité de vie, nous devons absolument prendre en considération les besoins en fonction des usagers
et permettre une mobilité plus pérenne et ne pas se contenter d'une multitude d'actions sans cohérence ni transversalité. Si nous voulons atteindre les objectifs énoncés par le prince souverain pour la défense de l'environnement, nous devons forcément adopter une stratégie, ce qu'on appelle systémique et multimodale. Dans un premier temps, bien évidemment, juxtaposer les flux de tous les déplacements en termes régional, les modes de circulation, mais également penser au programme de construction de chantier et les événements d'envergure. Et dans un deuxième temps, adopter finalement les projets structurants pour répondre à l'exigence de notre société. Alors, notre centre commercial de Fontvieille est vieillissant. Durant l'ancienne mandature, nous avons eu le projet du nouveau centre commercial de Fontvieille, qui est un projet d'envergure magnifique, qui sera une attractivité pour Monaco et surtout pour le commerce de Monaco. Alors, il y aura 800 places de parking, un cinéma nouvelle génération, et nous l'attendons avec beaucoup d'impatience. Il y aura des espaces de loisirs, des espaces de restauration, tout pour attirer et surtout faire rester nos résidents, nos monégasques à Monaco le week-end. Où en sommes-nous? Et là, c'est là que ça devient un peu plus compliqué, car le Conseil national aux dernières informations a eu une réponse, nous en sommes aux études préliminaires. Le Conseil national sait très bien que ce très gros projet est lié à d'autres projets de travaux, comme le projet de l'île au Pasteur. Bien sûr, nous le comprenons, mais maintenant, il serait temps que nous avancions. Alors, nous demandons au gouvernement de respecter les délais, car nous devons ça à nos commerçants actuels qui souffrent beaucoup dans ce centre commercial d'ancienne génération. Il faut absolument avancer, leur proposer l'avenir, la visibilité pour le commerce, c'est très important. Nous comptons sur le gouvernement et pour notre part, le Conseil national, nous restons auprès des commerçants pour faire avancer ce projet. Il est très important pour toute la principauté de Monaco. Je voudrais d'abord rappeler que nous sommes très attachés et favorables au développement du numérique en principauté, qui contribue à la modernisation de notre pays, à son attractivité et à notre économie globale. La priorité, c'est la simplicité pour les usagers, quelle que soit la procédure. Et d'ailleurs, nous sommes favorables à une simplification globale des démarches. Le numérique doit en être le principal levier, certes, mais pas au détriment de la procédure papier, qui ne doit pas être rendue dissuasive et trop complexe. Nous avons été interpellés sur certains cas particuliers, qui étaient particulièrement complexes, notamment pour les procédures qui concernent les résidents. Nous avons donc sollicité le gouvernement pour retrouver bon sens et pragmatisme. Il faut toujours que la transition numérique garde un aspect humain. Nous sommes bien évidemment favorables au développement des formalités administratives en ligne, mais il faut qu'en parallèle, on puisse garder une formalité papier classique, notamment pour les personnes âgées ou les personnes qui ne seraient pas rompues à l'usage d'Internet. Retour en images sur quelques événements qui se sont déroulés ces dernières semaines et plus particulièrement autour de la jeunesse. Le 10 mai dernier a eu lieu la séance de clôture de la troisième édition du Conseil national des jeunes. Durant un an, ce sont 12 conseillères et conseillers juniors qui ont travaillé ensemble, encadrés par les équipes du Conseil national, sur des propositions de résolution qui ont été adoptées lors de cette séance publique. Les sujets qu'ils ont choisis de travailler s'articulaient autour de deux thématiques principales, le bien-être à l'école et le lien intergénérationnel. Ils ont fait un travail remarquable et l'ensemble des conseillères et conseillers nationaux se joint à moi pour les en féliciter et pour leur dire que nous prendrons désormais le relais pour contribuer à faire aboutir leurs propositions. Ça y est, c'est le grand jour. Après de nombreuses années passées sur les bancs de l'école, les épreuves du baccalauréat sont là. Les conseillers nationaux souhaitent donc bonne chance à tous les étudiants qui passent leurs premières épreuves ou les épreuves finales dans les prochains jours.
Vous le savez, le 7 juillet prochain aura lieu la troisième édition du MC Summer Concert, un concert entièrement dédié aux jeunes de la Principauté de 13 à 25 ans. Cette année, nous avons la chance d'accueillir sur scène en première partie des jeunes artistes de la Principauté, la chanteuse Anna et le groupe JVNO. Et ensuite, sur scène, l'artiste Kenji Girac. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve très bientôt à Monaco le 7 juillet à l'espace Léo Ferré pour faire la fiesta ensemble. À très bientôt. Ce concert est entièrement gratuit, mais pensez à récupérer vos places au Grimaldi Forum du mardi au samedi de midi à 19h sur présentation d'une carte d'identité, d'une carte de séjour, du carnet de correspondance ou d'une carte d'étudiant. Vous pourrez aussi bénéficier d'une place invitée supplémentaire pour venir accompagner d'un ami de votre choix, à condition qu'il ait entre 13 et 25 ans. C'est la fin de cette émission. On se retrouve pour la séance publique ce jeudi, 17h. Et puis, bien sûr, nous avons une pensée pour Albert Croisy, qui, entre autres, a participé à la vie du Conseil national pendant plusieurs années. À très bientôt. Au revoir.